Les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo tag, donc les 100 questions bizarres que personne ne pose. Je trouvais ça sympa et je trouvais que ça changeait, donc on va faire ça. Sauf qu'il y en a 100 en fait, c'est ça le souci. Et que j'ai vraiment peur que ça prenne trop de temps, donc il faut vraiment que je fasse vite, sinon vous allez vous endormir. Mais ça je vous dis. Alors, question 1, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée. Quand je dis pite ouverte. Mais là, fermé. 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? J'ai pas souvent l'occasion d'être dans un hôtel. Mais sinon, oui, je les prendrais. C'est leur pratique. Après, si on repart en vacances ou en week-end, je pense que oui. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Bah, il est bordé, mon lit. Et tu lises-tu des post-it? Ça dépend, mais pas souvent, on va dire. Ensuite, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je crois que parfois je peux avoir des réductions, comme pour Yves Rocher, je les garde au cas où, mais je m'en sers jamais. Après, c'est pas parce que là je les reçois, donc c'est pas. Enfin, remarque, ouais. Oui, peut-être, oui, oui, bah oui, alors. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une araignée. Ou par une armée d'abeilles? Dans les deux, je crois que, de toute manière, gros ours. Parce que je préfère être mort, direct, que être dévisagé, sûrement à vie, même mourir, mais de douleur longtemps. Enfin, remarque un ours aussi, je pense. Enfin, je sais pas, c'est assez dur comme décision à prendre. As-tu des taches de rousseur? Oui, quand il y a un peu de soleil, là, ça ressort sur les joues et sur le nez aussi. Souris-tu sur toutes les photos? Bah je sais pas, quand c'est moi qui les prends, oui. Mais quand c'est les gens qui me prennent, pas forcément. Enfin, j'ai pas à sourire en tout temps non plus. Il faut rire les questions, n'empêche. Ensuite, quel est ton plus gros caprice? Je sais pas du tout. Comme ça, là, j'ai pas envie de passer trop de temps non plus sur une question, parce que vu qu'il y en a 100, voilà. Je sais pas du tout. Tu te comptes-tu les marches que tu montes? Non. Peut-être quand j'étais petite, pareil, mais non. Question 12. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? La petite, oui. Quand on n'a pas le choix, tant pis. Parfois, vaut mieux faire pipi dehors, au moins, voilà, que dans les toilettes publiques où c'est plein de bactéries, c'est dégueulasse, clairement. Et la grosse commission? Non, je pense que je sais me retenir un minimum quand même. Ensuite, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, ça ne doit pas m'arriver souvent. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Oui, malheureusement. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah, mon copain, quoi, mais c'est tout. Donc ça fait la même personne. C'est vraiment étrange comme, comme question. Désolée si je regarde souvent l'ordinateur, mais j'ai pas trop le choix, j'ai pas de place pour mettre devant moi. Je suis désolée. Quelle taille fait ton lit? Bah, je sais pas, vous le voyez à peu près, enfin, c'est un lit de personnes quoi. Ensuite, quelle est ta chanson de la semaine? Je sais pas du tout, j'en écoute plein. Ensuite, est-ce ok pour porter du rose? Bah oui, tant que c'est. Moi j'aime pas trop le rose fuchsia, mais le rose pâle, ça peut être sympa. Oui, y a pas de. Je suis ok. Regardes-tu encore les dessins animés? Bah, étant donné que j'ai un petit chez moi, parfois j'ai pas trop le choix. Il décide de regarder les dessins animés. Même quand je veux changer, il prend un télécommande et je peux pas faire ce que je veux. Non, je rigole. Bah non, je regarde pas. Enfin, à part ouais, quand le petit chez moi il met, bah, parfois je regarde un petit peu. Mais... Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Je regarde tout le temps, donc je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas. 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Très, très caché en tout cas. Ça se dit pas trop en vidéo, mais il serait bien caché. Que bois-tu en mangeant? Ça dépend en mangeant quoi, ça dépend en mangeant où. Avec qui, mais bon, on va dire, si je suis au McDo, je prends un Sprite sans glaçon, si je suis à la maison, de l'eau, de la grenadine,
Si je suis avec mon copain, ou même mes parents, ou même ma soeur, du rosé le week-end seulement. Pas une alcoolique non plus. Je bois que du rosé, j'adore ça. Non, ça dépend franchement. Voilà. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Ketchup. Avec mes nuggets ketchup, mais sinon avec les... Bon, je précise, je rajoute une question hein, tant qu'à faire. J'ai le temps et puis vous aussi. avec les frites de la sauce blanche. Ensuite, quel est ton plat préféré? Oh là là, il y en a trop. Alors j'adore... Alors évidemment, tout ce qui est gourmand, les frites, machin, j'adore ça, mais bon après j'évite. Après j'adore l'été, tout ce qui est des salades, de fruits, des salades aussi normales, enfin avec de la salade, du surimi, des tomates, tout ça, c'est bon je trouve. L'hiver, je sais pas trop, j'adore les pizzas. Enfin, j'aime bien tout, j'adore la viande rouge, même la blanche d'ailleurs. Enfin, je suis pas très compliquée à part les épinards. Voilà quoi, les brocolis, les trucs comme ça. Et le poisson, j'aime pas tous les poissons. Mais sinon, je suis pas très compliquée. Ensuite, quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Le Titanic. Mais c'est vrai qu'il dure longtemps, donc je sais pas. Ensuite, la dernière personne que tu as embrassée? Sur la joue mes parents, sur la bouche mon copain. Voilà quoi, faut délimiter un minimum les choses. Ensuite, as-tu fait les scouts? Non. Ensuite, poserais-tu dénudée pour des magazines? Non merci, ça va aller. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Pour demander, pour les stages. Tout ce qui est pour les stages, faut écrire, c'est mieux. Pour aller dans mon lycée, des trucs comme ça, oui. Sinon, c'est vrai que non, pas pour envoyer à ma copine. Ensuite, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Je l'ai déjà fait une fois, ça a l'air pas bien compliqué, hein. Je pense que je saurais le refaire. Après, as-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? J'ai pas le permis, je suis désolée. Tomber en panne d'essence en voiture? Non, même avec mes parents et tout, non. Ton sandwich préféré? Crudité. Genre mon crudité. Même poulet, j'aime bien. Ça dépend, mon humeur. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Oh bah ça dépend, c'est des cours 22h30, 23h, j'essaie. Mais parfois c'est plus tard. Et quand il y a une soirée, forcément, ça dépend. Quand le week-end, ça va vite à minuit, 2h du matin. Quand je fais rien. Donc. Voilà. Es-tu feignante? Ça dépend, mais en général, j'essaie de pas être feignante. Je suis pas feignante, hein. Je suis en train de faire un tag de 100 questions quand même, c'est bon. Hein. Quand tu étais petite, en quoi tu te déguisais pour Halloween? Un jour en sorcière, l'autre jour en fantôme, enfin l'autre jour, il y a longtemps, en fantôme. Je vois que ça là. Ton signe astrologique chinois, je viens de regarder, je suis un lièvre. C'est comme ça, hein. Je cours vite apparemment. Voilà, alors ensuite, combien de langues peux-tu parler? Le français, c'est déjà bien. L'anglais, bah en cours, j'essaie. Et l'espagnol, encore moins que l'anglais. Je crois que c'est ça. As-tu abonné pour un magazine? Non. Je comptais me réabonner à Bi, mais je sais pas, j'hésite. Parce que j'étais abonnée à Bi, mais... en fait, je suis contente de les lire sur le coup. Et puis... comment dire? Bah après, je trouve qu'il y en a trop. Puis après, je me dis, oh, comment j'ai fait pour lire tout ça? Ça sert à rien. Je suis bête, quoi. Mais je crois que je vais quand même commander un jour, ce serait bien. Go domino, domino, parce que j'y jouais souvent quand j'étais petite avec mes grands-parents. Qui t'es-tu? Oui, et j'aime avoir ce que je veux, et voilà. Parfois je cède, mais c'est rare. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Peu importe, je m'en fiche. Franchement, des questions, c'est un peu bizarre. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, quand je suis triste. Ce qui n'arrange pas les choses. As-tu peur du vide? Non. Chantes-tu dans la voiture? Oui. Chantes-tu sous la douche? Non, je mets de la musique, mais à part c'est vraiment une chanson que j'adore, mais non, je crois pas. Danses-tu dans la voiture? Non. Est-ce que j'ai déjà utilisé un pistolet? Non. La première fois que tu as été photographiée par un photographe?
L'année dernière, pour le photographe du lycée aussi. As-tu des comédies? Aimes-tu les comédies musicales? Non, pas trop. Ensuite, Noël est-il stressant pour toi? Quand je trouve pas qu'est-ce que je vais offrir, oui. Sinon, non, c'est plutôt agréable. Hein. As-tu déjà mangé un pierogi? Un pierogi, c'est quoi? Fruit préféré? Tarte au citron. Citron, c'est un fruit ou pas? Sinon, aux fraises. Au moins, je suis sûre de pas me tromper. Ensuite, oh, à chaque fois, je perds les yeux où j'en suis, ça m'énerve. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je m'en souviens pas, désolée. Crois-tu aux esprits? Non, pas du tout. As-tu des impressions de déjà-vu? Parfois, ça m'arrive. Enfin, je pense oui, la question, elle va dire ça. Enfin, vrai, oui, on fait une scène, deux, trois jours après, on la refait, t'as l'impression que c'était la même scène qu'à la dernière fois. C'est trop bizarre, ça, les trucs comme ça. Je sais pas. Prends-tu des vitamines? Non. Portes-tu des pantoufles? Non, je trouve tout le temps nos pieds chez moi. J'ai des chaussons, ils sont là, mais je les mets jamais. C'est triste. Ensuite... est-ce que j'ai un peignoir? Oui. Que portes-tu pour dormir? Ça dépend. Quand il fait chaud, j'aime bien dormir toute nue, c'est vrai. Mais sinon, en short, quand il fait froid, on est en jogging. Ça dépend vraiment de la température. Un album reçu. Album de musique, je suppose. Je crois que j'en ai... Oui, peut-être j'en ai acheté, mais maintenant, vu qu'on télécharge de tout, je m'en souviens pas. Carrefour, Auchan ou Lidl? Ni l'un ni l'autre, je fais mes courses chez Intermarché, je suis désolée. Nike ou Adidas, on va dire Converse. Hamburger ou frites, ah ça c'est plus dur. S'il y a de la sauce blanche avec les frites, je dirais frites. S'il n'y a pas de sauce blanche, je dirais hamburger. Voilà.